Fabisco on the beat. Bonjour les Morans, Kharouvari, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la coiffure. Non, c'est pas de la coiffure, je fais n'importe quoi sur cette chaîne. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Matassa. Alors dans la vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer un peu comment styliser ses cheveux afro. J'ai déjà fait des vidéos sur plein de thématiques. Ça, donc pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo comment se faire des curly tout seul, et ben du coup cette vidéo fait suite naturellement. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo et continuer sur ça ou les liens là. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube comment se faire des curly et tout ça. Dans plusieurs vidéos, ce qui sort le plus, c'est faire des vanilles et les détacher. Genre, tu fais des vanilles, tu dors avec. Je sais pas pourquoi d'ailleurs tu dors avec. J'ai toujours pas compris. Et c'est de faire des vanilles et les détacher quelques heures après pour voir ce que ça fait, quoi. Je pense que les vanilles. Pourquoi 10? Et les vanilles, ça consiste en fait à torsader un peu ses cheveux. Et le fait de faire ça, en fait, ça donne une texture à tes cheveux. Je vais essayer de voir sur mes cheveux pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. J'ai défrisé mes cheveux il y a au moins. Ça va faire un mois à peu près et je vais voir si ça marche sur ma tête à moi. Je pense qu'il faut avoir un minimum de longueur pour pouvoir le faire. Je ne vais pas vous dire exactement quel minimum de longueur c'est. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez remarqué que mes cheveux, ils ont vachement poussé. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé même. Je peux même les attacher. Je vais faire une dernière vidéo en fait et après je vais me couper les cheveux. Donc je vous montre après comment faire les trucs là. Tu vois, voilà, moi là par exemple, la longueur, elle fait ça. Et la différence aussi entre les vidéos que j'ai vues et ce que moi je vais faire, c'est qu'ils le font souvent en mettant hyper beaucoup trop de crème ou beaucoup trop de trucs là. Du coup, dans ma vidéo, moi je vais le faire sur cheveux secs. Après, si vous, votre cheveu, ça marche mieux, cheveux mouillés, ben vous faites cheveux mouillés. Voilà, alors pour commencer, j'ai un petit peigne avec moi. Du coup, je trace mes cheveux là, en deux là. Ils sont bizarres mes cheveux. Je prends des gros portions, moi. Ouais. Tu vois, là, là. Je pense que c'est pas mal. Là, je sépare en deux. Et puis, je tourne, en fait, comme ça. Comme vous avez constaté, je ressemble à rien. Je ressemble à un pigeon, à un malade, à un pigeon voleur. J'avais vu en fait ce que ça fait. Du coup, ça... finalement, je vais suivre en fait les vidéos pour voir exactement ce que ça rend. Là, ici, on est 20h03, donc je vais le garder jusqu'à demain matin. Enfin, il est hors de question que je sorte dehors comme ça. Mais du coup, je vais être obligé de rester chez moi jusqu'à demain matin.
NVDS. Kondako, team petition gang, Kondako, team petition gang, mega clan a player, bitches have enough for John, Don, Don, Ugo King Don, Cock Dedo, Doga Maradero, Cock Dedo, Doga Dog Denedo, Nebai Dog. Bon, là, c'est la fin de la vidéo, vous avez vu. Alors, vous savez que j'ai laissé mes cheveux pousser juste pour faire cette vidéo. Après la vidéo, je vais couper mes cheveux et je vais faire une coupe courte pour l'été. Enfin, c'est bientôt l'hiver, mais c'est pas grave. Du coup, j'aimerais savoir votre avis à vous, si vous trouvez comment, si vous trouvez bouclé, pas bouclé, si vous aimez ça ou pas, dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. À bientôt pour une nouvelle vidéo.